o singiga ga jati ya ga singinde bon ai hari makata mana wo ai shi bayaran na in shi koi daga de wanda ne ya yero dobi daga yero koi daga ai male pat ka bai ga asi gider e we ma shi pa ah si so ba ne biere kama ke ti ba o to wanda mene shi lenga ya sur le flot. Et mon père n'a jamais pensé que moi, j'allais être un musicien parce qu'il est mort, j'avais 2 ans. La musique, je l'ai découvert parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dans la famille, des griots. C'est un don naturel que Dieu m'a injecté. Et quand je l'ai embrassé, il fallait connaître profondément de chaque ethnie, leur biographie, et leur histoire et leur légende. C'est bon. Il y a 40 ans, j'ai pas joué ce morceau. Depuis 40 ans. J'ai commencé la musique depuis 5-4. J'ai été attaqué génétiquement. Donc à Humboli, on m'a soigné. Depuis qu'on m'a soigné, j'ai joué d'abord un instrument indigène qu'on appelle la monocorde. Et c'est l'instrument le plus dangereux d'ailleurs du monde. Parce qu'en le jouant, au moins ici, à 3 km, tu as le son. Et je faisais ça avec des guérisseurs. J'ai la monocorde, un violon et une guitare traditionnelle et une flûte à bambou. Donc toutes mes compositions sont venues partant de là. J'ai joué ma monocorde, j'essaie de transmettre, c'est-à-dire mes doigts de la monocorde à la guitare. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la guitare. C'est sur le travail. C'est dans le cadre du travail. C'est l'évolution du développement de l'agriculture, la pêche, le pâturage, l'éducation, la santé et la tolérance. Et toutes mes compositions vont à cette direction. L'évolution non seulement de la nature,
et que la partie civile ne doit jamais être négligée. Et je critique même l'État. C'est pas la musique qui est tellement importante, mais ce qui se dit qui est beaucoup plus important. Comment il faut que la musique aussi soit très bien pour qu'on entende ce qui se dit dans la musique. Il disait que c'était une expiration qui est venue sur moi quand j'ai traversé dans le désert. Et quand j'ai constaté comment la savane et l'environnement a été détruite, ça me fait trop mal. Et il fallait trouver quelque chose pour expliquer. La musique, elle n'est pas faite pour faire la guerre, mais elle est faite pour quand même observer et admirer et avoir la dignité dans la foi pour mieux faire, pour amener la paix. J'ai tous les esprits. Je parle des esprits parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille avec les esprits. J'ai signé là-dedans. Mon père était un grand guérisseur, ma grand-mère. C'était un très grand, grand, grand connaisseur. Là, c'est Soko. Soko est un mémoire de celui qui m'a élevé et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a sollicité dans ma vie, qui m'a donné beaucoup de courage pour que je puisse continuer la musique. Je vous assure que je ne pourrai jamais oublier ce vieux jusqu'à quand moi-même je vais mourir, je vais le trouver. Et je ne cesserai jamais de parler de lui. Quand le bonnet se brûle, la tête est restée et rien ne s'est gâté. Well, and they don't go, maybe not, my daughter.
cœur. Sanda ta kuma foyi ja magagar mana du Muhammad dai wallahi sankare bari iko Bambera bambera koy ine gour karakana ji bolo tout ça c'est la veut dire c'est des héros donc c'était d'abord une louange non seulement de ce que les gens ont fabriqué hier mais quand ils voient que qu'on parle de celui qui est mort hier c'est parce que celui qui est vivant n'est pas tellement important. Je suis très fier. Et qu'on arrive quand même à faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Merci. Très bien. Oh, merci. Voilà. Là, je suis satisfait. Vraiment, je suis satisfait. Nick, ne me pose plus de questions. Tu m'as donné l'opportunité. C'est complet. Oui. Vraiment, je suis très fier. Je vais toujours être le meilleur. Et dans ce cadre de ce travail, et je sais que j'arriverai, Inch'Allah. Et je suis conscient de cela. Et le jour que cet album sortira, on est presque 3 personnes qui seront très satisfaites de cet album. Pourquoi? Nous sommes 3. Lui qui est le producteur, si tout le monde lui dit vraiment, il est très bon, il est content. Par exemple, moi qui ai travaillé, moi je suis très content. Ceux qui achètent, ils sont plus contents que nous aussi. Donc voilà les 3 personnes qui sont beaucoup plus content que nous-mêmes qui ont fabriqué. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans la vie et dans la nature. Il faut toujours avoir toujours le meilleur de soi-même. I saw him about 8 months ago in Paris when he came to visit his doctors there. And I tell you what, I found him to be quite changed. I thought, well, here's Ali Farka, has graduated here. He feels like someone who's been given the keys, and I find him to be more reflective and more introverted. And then I hear these recent records, recordings of his that Nick Gold has been doing since he's been sick. And Nick went to Africa, went to the village there and recorded The One Heart of the Moon, and now this new one, this Ngoni Band record. It's absolutely perfect. A very enriched musical statement.
And I really think that's something else, and I think people are going to really dig it. And, of course, we won't be hearing this anymore. All I can say is that's it. You know, close the book on this kind of sound and this kind of musical interaction, because I sure don't know where it's going to come from. This is really something. When people hear this, they're going to say, well, thank you, Ollie Farquhar.